Quand moi j'ai débarqué en Martinique en 83, que quand Jean-Paul Césaire, parce que c'est lui qui m'a découvert en Martinique, et quand il a vu ce que je faisais, il m'a demandé de créer un atelier. Son père, qui était le maire Aimé Césaire, m'a demandé, veux-tu apprendre aux Martiniquais et Martiniquaises d'apprendre le métier que tu as fait, que tu as appris en métropole? J'ai voulu donner à mes frères et sœurs, ça veut dire à mon peuple martiniquais. Étant donné que cet atelier ici, c'est le seul atelier qui se présentait comme atelier en apprentissage des sculptures sur bois, alors j'étais fier de donner mon savoir pour apprendre à ceux qu'ils voulaient apprendre à faire de la sculpture sur bois. Et c'est de là que j'ai découvert quand même de faire un travail, une recherche sur ma personne. J'aime le métier que je fais, et je le fais avec de passion, et je transmets avec la passion. La passion de mon métier, c'est le bois. Si on dit que le bois a une chaleur et a une communication à faire, être en contact avec la matière. La matière, c'est le bois. Et le bois est très chaud. Alors, plus que je travaille le bois, plus que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. La création peut arriver dans la nuit, dans le soir ou le matin, et que je prends un crayon, que je dessine un trait sur une feuille de papier et arriver sous le tronc, à déshabiller un tronc, parce que quand je dis déshabiller un tronc, c'est quand le tronc a l'écorce, il faut enlever l'écorce pour qu'on puisse commencer à travailler et qu'on voit vraiment ce qu'on veut faire. Cette exposition retrace un peu ma vie, parce qu'il y a 4 pièces qui représentent vraiment la symbolisation de l'exposition. Ce sont des symboles purs de ma personnalité et de ma faiblesse aussi. Parce que c'est ce que j'ai fait, et j'ai voulu un peu décrire ce que je ressentais vis-à-vis de nous-mêmes et de nos semblables.